Ok, on arrive dans les grandes portes du niveau 2. Et à la fin. Et j'avoue que c'est pas évident. Parce que c'était très très chaud. Je regarde si j'ai. Ouais, je suis sur le bon lieu. Ça marche. Également, je regarde juste. C'est ça, c'est ok. Là, ouais, n'importe quoi. C'est pas ça. Bon, on va ramasser bah, tous les coffres qui s'y trouvent. Hein. Et on fera le. Je vais pas dire le dernier, mais il y en a pas mal. Que des clés rares, quoi. En bleu. Ça, c'est génial. Ça, là, c'est pas de mourir ici. C'est vraiment dommage. Alors je mets la vidéo je mets le live en place vite fait, c'est juste pour montrer ce niveau où j'ai jamais été et c'était super dur à y aller. Surtout avec deux cœurs qui me restaient. C'était vraiment chaud. Hein. Là je fais vraiment gaffe. Vraiment gaffe et je m'amuse à monter sur les trucs. Allez, dernier chemin. C'est tout ce qu'on a en clé. Yes. Qu'est-ce qu'on va choisir? On a récupéré le sac. Non, c'est bon. Prendre la relique. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas. Ils ne disent pas trop à quoi ça sert. Laquelle qui me plairait bien? Ah, la plus grosse, hein. Celle-là. Allez. Elle est belle. Relique obtenue. Ah, j'en ai chié pour l'avoir. Hein. Ah, il se passe quoi quand on prend des reliques, en fait? On a des pouvoirs en plus ou... Là, on recommence, hein. Il nous fait pas continuer. Il pourrait nous faire continuer quand même. Relique obtenue. 6 clés, 7 en bleu, ok. Putain, il y a rouge et jaune encore. Le délire. Ok, c'est tout. C'est tout. Et j'y suis allé avec le fouet d'origine. Hein. J'ai pas pris les fouets avec des trucs bizarres. Alors je pense que le but, c'est de ramasser... Oh là là, ça va être chaud, hein. De ramasser toutes les reliques, en fait. Et après, on va avoir un... Certainement un... J'en ai que deux des reliques, normalement, c'est ça. Hein. Non, plus que ça. 1, 2, 3, 4. J'en ai ramassé 4, moi. Je me rappelle même pas. Oh, c'est possible, j'y ai tellement joué. Et en fait, ça, c'est la salle... Putain, il y a encore ici, oui. Oh là là, le délire. Bon, et en plus, on perd tous ses pouvoirs. Mon double saut, tout ça que j'ai acheté. Walou. C'est mort de chez mort. Ok, donc ça, c'était la salle des reliques. Et après, on a la salle des fouets. Est-ce que j'ai gagné un fouet? Je regarde où est-ce que... Pof. Où est-ce que ça nous amène en fait? Donc la salle des fouets, la salle des fouets. Oula. J'ai besoin de lui parler si j'ai pris un nouveau truc. Aucun fouet. Alors, utilisez les liens du temple pour inviter des amis à triompher des temps dans lesquels vous avez échoué. Si quelqu'un y parvient, votre fantôme sera libéré et vous récupérez votre butin. Il y a tout ça encore que les... En fait, faut avoir des amis. Faut avoir des amis, quoi. Ouais, bon. J'ai quand même 35 clés vertes et 12 rares bleus.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le premier passage du niveau 1, en fait, on a, comment dire, si on va jusqu'au bout pour prendre une relique, on a au dernier niveau deux portes à ouvrir. Il faut actionner deux portes, une à gauche, une à droite, pour ouvrir celle du milieu. Ça va encore. Au deuxième niveau, quand on arrive au bout du level, c'est quatre portes à ouvrir, et pas des plus faciles. Quatre portes à ouvrir, en plus avec le monstre, je dirais, le gardien des temples, là, celui qui t'envoie tes boules de gaz, c'est une horreur celui-là. Bon, il n'est pas pire que celui-là qui te suit, qui traverse tout et qui te suit là. Là, j'aurais pas pu arriver, je pense, avec celui-là. Le mieux, c'est le laser, il est simple. Donc là, quatre portes au niveau level bleu, au niveau bleu, au niveau 2. Et après, je pense, par déduction, qu'au niveau 3, le rouge, on doit avoir 6 portes à ouvrir. Ça doit être une catastrophe, sachant que j'ai jamais été jusqu'au bout du rouge. J'imagine même pas. Est-ce qu'on a des nouveaux fouets? Celui-là, c'est le fouet de bénédiction qui donne 30% moins cher. Les bénédictions, ok. Alors, on subit des dégâts en recevant une nouvelle bénédiction. D'accord, mais il fait quoi ce fouet? S'il fait rien, on va pas s'infliger des dégâts. Alors, être près d'un fantôme soigne la moitié d'un cœur toutes les 2 secondes. D'accord. Celui-ci, en plus, ils sont perdus. Hein. Je les ai déjà utilisés, mais qu'est-ce qui. Pourquoi il ne m'affiche plus rien? Alors, fouet de obsidienne, les coffres contiennent. Ah oui, alors celui-là, je le prends. Le coffre contient 50% de pièces supplémentaires. Et quand on le prend, ce fouet, et ben en fait, on a zéro pièce tout le long. C'est ça, ça c'est un bug. Il faudra le remonter. Même on ramasse quelques pièces. Alors, au début, on a deux coffres, on ramasse des pièces, ça fait zéro. Et tout le long après, les coffres sont vides. Alors, est-ce qu'il faut être les premiers à les ouvrir avant les fantômes? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la loose. Ça, c'est mon fouet d'origine. Et ici, on a un fouet qui. Les valeurs des pièces est doublée. Celui-là, je ne le connais pas. Oh, il est cher. 5. Wow. 5 clés bleues, quoi. La valeur des pièces est doublée? C'est pas mal. Les dégâts reçus sont doublés aussi. D'accord. Eh ben, tu vas rester là. Hein. Laisse tomber. C'est trop compliqué. Voilà, bon, c'était juste pour montrer la petite vidéo de la fin d'un niveau 2 pour récupérer un objet du fin du temple. Intéressant. Voilà, c'était tout. Allez, pour commencer, c'est court, mais c'est suffisant. À plus, allez, à plus, ciao.